C'est un peu le côté caché d'une expédition. On vient souvent une semaine avant, on repère les territoires, des nouvelles zones, on prépare des postes, là, comme on vient de faire avec Corentin. C'est pour ça que tu t'étonneras pas s'il y a du résultat derrière, il y a une vraie préparation et une vraie organisation. La semaine prochaine avec Daniel, on verra des sangliers, c'est sûr. Et en plus, pour faire ça, cette année, on a un invité d'honneur qui arrive de Normandie. Bon, on est parti, on va faire 6 km pour trouver des nouveaux postes. On va aller voir un peu si on trouve des fruitiers et installer les postes. Ils ont tout déboîté. Inaccessible, des heures et des heures et des heures de marche. Indice de présence, c'est un ours et c'est un gros mâle. J'ai même trouvé un petit billot de bois, tu sais ce qu'on fera là-dessus? La semaine prochaine, tu couperas de la viande pour faire des brochettes de sangliers. Je sais pas si vous avez idée de ce que c'est, une tapette à mouche avec une semelle de chaussure. Ça va pas être le grand luxe, hein, les amis. On aura un toit sur la tête la journée, et puis les murs, ils sont en terre, c'est hyper isolé, il fait frais là-dedans.